Hey, salut YouTube! J'ai complètement oublié de faire l'intro de l'autre game. Les gars, petite game, full troll, une régalade. Je laisse la découvrir. Pensez à liker, vous abonner et venez sur Twitch. Regardez, on est 27 740. Venez voir, venez jeter un coup d'œil. Rejoignez les rangs. Tu vas mourir. Les gars, cet homme est un homme mort. Hein. Ah non, mais pourquoi il plonge si bas? Allez. Je me contiens, c'est bon. Oh merde! Le Lord de Warzone, joueur est là, le game de boss de Ross. On l'appelle comme ça, il fait le show avec. Son arrêt de record, des clips de qualité. Sur Twitter et Insta, il est pour tout en gamme. Et il est trop sale, boit du sang de l'homme. Comme un animal, met des têtes en live. Avec toutes les armes, il fait tant d'un souffrant. Le câble est ça, je suis dans la malade. Voilà les gars, comment avec un M82 du sol, on met une balle à 300 mètres sur quelqu'un qui se déplace dans les airs. Pour en savoir plus, je vous invite à regarder ma description sur pourquoi je suis un sniper exceptionnel et probablement le meilleur de sa génération. Évidemment. Merci Greg pour ton premier abonnement, bienvenue. Posquito pour le... T'es sérieux, qu'est-ce que tu veux toi? Uncut. Qu'est-ce qu'il y a? Tu t'es pris pour Booba? Booba il fait des sons ultra. Booba il a été racheté frère. Qu'est-ce que tu crois quoi là avec ta marque? Je veux que les portes soient ouvertes quand j'arrive. Hein. Et je veux traverser dans les flammes. J'ai eu le temps de lui faire un lifting de l'anus aussi. Mais non, Uncut Christian, t'es revenu. Eh, hey, B2O Béatrice, tu vas où? Christian! Tu dors vraiment ici, Cri-Cri? Cri-Cri! T'as déjà pu acheter? Comment t'as fait ça, Christian? Christian! C'est pas Christian? Tu t'appelles Ace Gunner? Tu n'as rien à voir avec Christian? Escroc, gros! Il s'est fait passer pour Christian pour que je l'attaque, gros! Alors que... Christian, lui, il est juste en train de camper sur un de ses trucs, en train de regarder le live en se disant « Chaud, je suis tout en haut, ta seule manière de venir, de prendre l'ascenseur, sauf que je vais t'attendre devant, fils de pute oh, !» Oh, qu'est-ce qu'il est con. Qu'est-ce que t'es con, Christian. Tu voulais me tuer avec mes propres bâtons. Hop. Je vais faire quelque chose, chat. On peut se faire ban quand on fait ça. Je vais lui baisser son fut. Hop là. Ouais, tu le sens? Tu le sens le bâton là? C'était horrible. J'ai dû l'enterrer dans le bunker, chat. Ah, il y a de la merde sur tout le bâton. Hop, je récupère mon arme. Et je pars de ce corps, les gars. Ça a vraiment mal tourné. D'ailleurs, je me permets de... De vous saisir, si je puis dire. Alors, juste avant, je vais éclater le mec qui se cache là-dedans. Et on en reparle, ok? Coup de marteau. Coup de marteau, j'ai pas le temps. C'est bon. Coup de marteau. Ça a marché. Je reviens pas.
connaissez la chanson. Oh, j'ai repéré un gars. Oh, je l'ai pas raté. Alors, j'aime bien les fromages des pieds, oh. Surtout celui de Micheline. Allez, follow-toi la chaîne. Je racontais quoi? Donc ouais, je me permettais de vous interpeller tout à l'heure pour vous dire. Je sais pas si vous avez Netflix ou pas, certains. C'est à Netflix un peu là ou... Ouais. Ouais. Ok. Ok, donc ok. Nickel. Bon, mais si c'est à Netflix, alors ça fait déjà 3 jours que je l'ai fini, moi, la série. C'est une petite série de 9 épisodes qui s'appelle Squid Game, les gars. Honnêtement, moi je suis un grand fan de la première heure du film. On en a déjà parlé de Battle Royale. C'est ça qui m'a un peu déclenché ma passion pour les BR, tout ça. Et du coup, pour ceux qui l'ont pas encore regardé. Vous en avez pour grosso modo 2 jours, tu vois. Tu te fais 2 sessions de 4 heures, c'est réglé. Et c'est juste énorme, tu vois. C'est trop bien. Genre un Squid Game, trop bien. Donc voilà, c'est une petite recommandation pour la commu. Évidemment, pas de spoil, etc. On en parle, c'est à la cool. Je pense qu'on a un chat d'adultes. Donc de toute façon, s'il y a un modérateur qui voit un spoil, c'est bad life. Hein. Est-ce que je rush en noscope ou pas? Est-ce que... En fait, est-ce que j'ai vraiment besoin de viser? Oupsie. Il y a le feu à droite. Honnêtement, tu as une demi-seconde pour réfléchir. Tu as le feu à droite, une voiture qui bouge à ta gauche. Tu choisis quoi? Tu sais, on dirait les blagues quand on était petit. Alors écoute, tu as des tigres à ta gauche, t'as des serpents derrière toi, t'as des lions à droite. T'es dans la merde. Tu prends quoi? T'as pas le temps de déco. C'est l'information de la voiture et du feu, elles sont arrivées au dernier moment. T'as pas le temps de réaction nécessaire pour déconnecter. Ça vient pas dans ton esprit. T'as pas le temps de penser ça. C'était un headshot. Le premier, c'était un headshot, les gars. Eh, hey, Ash Gunner, c'est encore toi? Merci pour la recommandation. De rien, et si ça vous a plu... la série Squid Game, les gars, vous aurez évidemment d'autres recommandations de la part de du Lord. Évidemment, cette recommandation, si elle vous a plu, n'est pas gratuite. Elle coûtera 3,19€, le prix d'un abonnement sub. Et si vous êtes déjà satisfait, abonnez-vous. Putain, n'empêche, c'est si parfait, les gars, regardez. Je drop. Pour pas être en plein milieu, j'ai une cover, j'ai juste à être accroupi, il y a à peine ma tête qui dépasse, paf. On leur laisse vraiment aucune chance. Hein. C'est reçu, Mélissa, c'est reçu, la voiture. Hop, elle est garée devant. Je vous prendrai des petites photos ou quoi tout à l'heure si jamais, là, j'ai pas eu le temps. T'as pris quel modèle? Megane 3 RS. Après, je l'ai essayé tout ça et tout. Mais c'est vraiment marrant, tu vois, comparé... du coup, ça va faire 9 mois que j'ai la i8. Et bah... T'essayes la RS à côté, tu vois, c'est un peu un veau.
C'est terrible de dire ça. Mais du coup, ça. Par contre, les sièges. Oh, les sièges. Pff, ils sont incroyables. Genre, t'es trop bien dans les sièges. Ça épouse parfaitement les. Les lombaires, voilà, les lombaires, et c'est un bonheur de confort, cette caisse. Donc je pense que ça sera vraiment très très bien, tu vois. Le regard de veau de retour. Ouais, contract. Oui, quoi? Oui, monsieur, je vous prie de vous calmer, s'il vous plaît. Nous avons bien noté que vous n'avez pas aimé le poisson. Et c'est chaud qui participe au saut en longueur. Et c'est beaucoup de chance pour notre ami caché derrière le mur. Et il n'a pas tilté le drop shot. Quelle erreur. Oh, c'était un headshot ça. Alors là, je suis pas très très content. Genre j'ai la joie qui est un peu coupée parce que je lui ai tiré dans le visage et la balle n'a pas connect. Je vais donc porter réclamation auprès de la fenêtre de droite. Allez, fenêtre de droite. Je sais que ma réclamation va toucher la fenêtre de droite. Soyons patients. Et comme on dit en anglais, be patient. Ok, je vois que c'est en train de rusher à droite. Est-ce que j'irai pas faire un petit tour au final? On a ce mec là qui se... Oh merde. Ouais, tu sais quoi, je viens de voir comment ça se passe et tu me dis, ok? T'es baisé José. Airshot. Et du coup, le mec que j'ai abandonné. Enfin, je retourne le chercher. Je suis trop en forme ce matin, chat. Il faut vraiment que j'arrête de dormir à 8h. J'ai l'impression que c'est du shit. Hein. Un drone arrive sur zone. Drone ennemi au-dessus. Autorisation de lancer la frappe aérienne. Ici, Striker 1, bien reçu. Frappe imminente. Reconnaissance en approche. En fait, ce qui me dérange, c'est qu'il y a un sniper qui nous tire de... qui tire. Mais depuis tout à l'heure, il tire que sur moi, tu vois. C'est un headshot. Quoi? Il est horrible comme joueur en fait. Hein. Il passe son temps à me backstab. Il sait exactement où je suis grâce à un capteur ou j'en sais rien. Arrête avec ton aim assist! Range ta manette! Ah, il faut leur dire, tu vois, parce qu'à un moment donné, il y en a marre. Hein. Quoi? T'as pété les plombs, Iggy là. Iggy le cafard. Oh, toi, encore toi? Oh, elle est belle. Oh, chaud. Oh, coquin, hein, chaud. Chaud, coquin, un chien. Apparemment, il y avait quelqu'un ici. Est-ce qu'il viendrait pas de prendre fantôme? Eh mon cher Marty, j'ai l'impression que ce joueur vient de prendre fantôme juste ici. À sa place, moi, j'aurais reculé jusqu'à là, tel un gros enculé, et je me serais mis pas loin de là. Là, normalement, tu dois être sur les traces de cet enfoiré chaud. Ok Marty, merci de l'information. C'est bon Marty, je viens de le découvrir. Il vient de se prendre une balle dans la tête.
Ils étaient partie de la team OVZ. Pourquoi OVZ? Peut-être par rapport au serveur OVH. Est-ce que tu veux dire que c'était un serveur de merde? Eh, peut-être, chaud. On se souvient des serveurs Redline et les serveurs Very Game. MRC, Sick, War, 5v5, Mid Plus. Ok, il reste 6 adversaires, chaud. Et ils sont absolument tous fantômes, t'as vraiment pas l'avantage. Comment comptes-tu gagner? Chaud avoir le cœur de la Russie avec lui. Chaud faire pleuvoir bombe. Oh, chaud avoir vu un ennemi. Lui va mourir bientôt. Allez, zone aérienne surchargée, mes couilles. Sur ce caillou. Très bon caillou, j'aime bien. Dispersion. Courva. Oh merde, ça va tomber un peu trop près de chaud ça. C'est pas grave. Bombardement. Bombardement. Regardez puissance URS. Oh merde, elle tombe pas loin celle-là. On met des frappes pour avancer. Dispersion encore. J'en ai repéré un. Eh, t'as pris headshot. Fragile. Je te finis pas. T'en reprendras un autre comme ça. Pute. Dernière. On avance. Oh, tu la veux, gros cochon. Oh, c'est moi qui l'ai pris. Oh, t'as mis que tu as tiré dans l'oreille. Où elle était? Non. Oh. Le top 2, les gars, non. T'as craqué, chaud. Mais mec, en même temps, j'avais un shop et 15 000 balles. Vous vouliez que je fasse quoi, les gars?